Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour ce nouvel épisode de la série Dragon Quest 3. J'espère que vous allez bien, que vous allez super bien, que vous allez très très bien. Quant à moi ça va extrêmement bien et on se retrouve donc aujourd'hui à Romalie les amis. On est à Romalie pour la simple et bonne raison que nous allons aller vers, vers la ville de Portoga comme on nous l'annonce depuis eh bien des lustres maintenant. La ville de Portoga qui était bloquée rappelez-vous par des portes qu'on ne pouvait ouvrir qu'à la clé magique. Et donc, vu qu'on a trouvé la clé magique la dernière fois dans le temple d'Isis, eh bien, on va pouvoir aller s'aventurer vers la ville de Portoga, les amis. J'ai envie de vous dire, enfin voilà, quand je tourne, hein, et puis vous, bah, tout sera diffusé à la suite en 3 semaines, donc bon, j'ai envie de vous dire, à partir de là, voilà. Bon, maintenant qu'on a trouvé la clé magique, on peut se rendre dans les sous-sols, les amis. Et alors, on va déjà aller là. Évidemment, on n'a pas la bonne clé. Bon, la dernière fois, donc, on était allé dans le temple d'Isis et je vous avais dit qu'on retournerait faire toutes les portes magiques avant de partir pour Portoga. Finalement, je les ai fait en off parce que, mine de rien, c'était un peu chiant, il n'y avait pas grand-chose. Et voilà, j'ai tout fait en off. Je crois que j'ai trouvé quelques objets, mais encore une fois, je ne m'en rappelle pas vu que je l'ai fait juste après l'épisode. Et que le tournage du dernier épisode date pas mal. Je l'ai toujours pas monté, d'ailleurs. C'est pour ça que je me rappelle plus trop de ce qu'on a fait, quoi. Alors, du coup, chers amis, dans un premier temps, on va... Alors, je me rappelle même plus des capacités de mes héros, mais je crois qu'avec lui, faut juste attaquer. Avec lui aussi. Ça doit faire vachement longtemps, quand même. Alors, on a un heal mort, on a Numbof, ça soigne la paralysie, et on a un stop spell. Bon, ok, ça sert pas à grand-chose, le stop spell. On va... Mine de rien, est-ce qu'on peut pas utiliser un sort de groupe? C'est au moment où tu te rends compte que le mec redécouvre le jeu, tu sais. Non, on va simplement attaquer les druides et Hermione, elle va se charger d'un Firebane sur les Rogue Knights. Je pense que ce sera pas mal comme ça. Ouais, ah bah en plus il avait un fouet, tiens. Bon bah, très bien, c'est pas mal, on va dire. Hop, oula, non, on va d'abord tuer le... Ok, donc c'est très bien, j'ai attaqué le healer. J'ai pas attaqué le healer, justement. C'est pas trop un problème, on s'en charge rapidement. Voilà, bon, ils font mal quand même à méga, hein. Je me souvenais plus qu'ils étaient aussi puissants. Alors, voyons voir un peu la carte de cet endroit. Donc, oui, bon, bah, c'est l'Espagne, quoi. Enfin, c'est l'Espagne, le Portugal, c'est pour ça que ça s'appelle Portoga, la région. Et donc, on a des petites montagnes au centre. Prénom que j'avais donné, ça doit faire, allez, peut-être un mois que j'ai pas touché au jeu, pour être honnête. À moins que j'ai pas tourné de vidéo dessus. Mais ça ne changera pas, hein. De toute façon, je vous ai dit, hein, on a commencé à tourner ce let's play en mars. Il me semble que c'est en mars ou même en février que j'ai commencé à le tourner. Mais le premier épisode monté date de mars. Voilà, en gros. Bon, on va explorer toute la ville en attendant. Hop. Alors, un Pachizi ticket, génial. La dernière fois, il me semble qu'on avait gagné un Pachizi, hein. Je crois. Je crois que ça s'était à peu près passé comme ça. Ou l'avant-dernière fois. Ou la fois d'encore avant, je sais plus. Je vous avoue, je sais plus, il faut que je monte les épisodes et je serai. J'en ai monté un il y a pas longtemps. C'était l'épisode 5. Ouais les gars, j'ai du retard. Alors bonjour monsieur. On va voir ce qu'il a comme item à vendre, rien de ce qui nous intéresse spécialement. On va surtout aller au magasin d'armes parce que là... J'ai pas lu ce qu'elle a dit, mais je crois que ça parlait du bateau. Et oui, il faut aller voir le roi pour revoir un bateau, apparemment. Donc le bateau, oui, ça nous intéresse énormément, puisqu'on a tout exploré actuellement. Quasiment, en tout cas. Mais surtout, il faut qu'on aille voir le roi. Ouais, il faut qu'on aille voir le roi. Et on avait un autre tunnel à explorer, il me semble aussi. On avait un autre tunnel avec un nain qui le gardait, je crois. Et bon, bref, on verra. On verra comment ça se passe. Alors, un black coat, on n'a pas d'autre chose, on a une épée d'acier, une hache en fer, ou un fouet d'acier. Fouet d'acier qui est la meilleure arme actuellement pour Roto, j'ai l'impression. Alors ça change pas grand chose hein, quand même dans leur stat. Mine de rien, le fouet d'acier, je dis pas non. Alors, après, il y a une armure de fer qui va rien changer quasiment. Pour Roto. Ah, il me tente quand même le style whip. Bon, on va voir après. Pour l'instant, je veux juste explorer un peu la ville. Et voir un peu ce qu'on a. Alors, bonjour.
Wow. Wow. Je crois qu'on a fait bugger le jeu. Bon, les amis, on est de retour ici. Je crois qu'on va pas lui parler parce que, mine de rien, ce serait un peu chiant. Je vous avoue. Bon. On a perdu un peu de temps à cause de ça, mais c'est pas trop grave. On va dire qu'on a perdu 2-3 minutes, mais bon, voilà, c'était juste histoire de revenir ici. Bon, du coup, j'ai speedé pour revenir, mais bon, vu qu'on n'avait pas fait grand-chose, ça passe. Alors, it can be bought in the eastern country, in the eastern end of this country. Oula, j'ai pas très bien compris ce qu'il a dit, mais apparemment, on amène quelques ennuis. Si on avait un bateau, on... Génial. Si on avait un bateau, on pourrait naviguer dans le monde entier. Ouais, ce serait cool. Ce serait cool, c'est pour ça qu'on va s'atteler à... À avoir un bateau. Je joue le château, donc je dis château, mais... Mais ne vous inquiétez pas. Alors, du coup. Qu'est-ce qu'on a là? On a le roi qui est ici, on ira lui parler après, parce que c'est pour l'histoire. Mais avant toute chose, on va quand même aller dans la porte magique. Alors, est-ce que toi, tu... Vous savez quoi? On va quand même faire une save state. Ici. Et on va parler aux gens après. Tout le monde parle d'aller à l'est. Mais pas moi. Il y a une place très effrayante. Pleine de monstres. Ok, très bien. Bon, il y a un endroit très effrayant plein de monstres. Plutôt. On est comment au niveau PV? On n'est pas dégueu, ça va. Et là, on est comment? On n'est pas dégueu non plus, ça passe. Ok, on va prendre les coffres. Mist Staff. Stamina Seed. Je vais vérifier mes PV quand même. Le tatouage... ouais, le tatouage énervé, c'est un truc qu'il y a aussi dans Dragon Quest 9. Hermione qui a un PV. Ah, on peut peut-être pas mourir avec ces trucs. Attendez. Bon, déjà... Ah, génial. J'ai inversé mes boutons, c'est pour ça. Alors, tactique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un restore. Comme ça, on sera à fond. Et puis, on ira à l'auberge, hein, si jamais il y a besoin pour les PM. Alors, toi, je veux juste... Bonjour, notre roi est occupé pour l'instant. Mais je vais vous aider à la place. Ah d'accord, donc lui c'est pour sauvegarder et le roi lui nous donne la quête principale. J'imagine, ça doit se passer à peu près comme ça. Oui, on va quand même sauvegarder. Parce que mine de rien, après ce qu'on vient d'avoir, heureusement qu'on est sur émulateur et qu'on a des save states. Parce que sinon j'aurais dû tout me retaper le chemin. Alors du coup, tac, monsieur le roi. Il est dit que dans un pays loin à l'est, le poivre noir est en énorme quantité. S'il vous plaît, allez à l'est et ramenez-moi du poivre pour moi. D'accord. Quand vous reviendrez avec ce poivre, je vous reconnaîtrai comme un vrai héros et je vous donnerai mon bateau. Très bien. Maintenant, prenez cette lettre et montrez-la à Norwood. Ah, Norwood, c'était le nain qui était dans la... Vous le trouverez dans la cave, dans la grotte à l'est. Il vous montrera le chemin. Ok, très bien. Donc si on va dans la grotte à l'est maintenant, Norwood nous montrera le chemin et il pourra nous... Au lieu de nous dire fuck off, il nous dira... bah venez les gars, on est bien, je suis gentil, moi j'ai toujours été gentil, connard. Du coup, on va pouvoir utiliser une autre aile de chimère. Enfin, une Wing of Wyvern, please, s'il vous plaît. On va l'utiliser et on va... Alors, c'était dans quel village? Je crois que c'était... On va pas se tromper, je crois que c'était à Ashalam. Je suis pas sûr de mon coup, pour le coup. Ouais, c'est bien ça. Ok, on est bon. Bien, alors on va pouvoir traverser cette grotte. Maintenant, on va montrer la lettre à Norwood et Norwood va nous montrer le chemin. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va bien trouver dans cette grotte? À mon avis, ça va être encore une histoire de fou. Bon, mon cher Norwood. Je suis Norwood. Vous voulez aller à l'est? Partez d'ici.
Roto lit la lettre. Cher Norwood, puissiez-vous guider ces voyageurs en toute sérénité à travers le tunnel de Ban. Alors on va dire ça comme ça parce que ma traduction est un peu foireuse. Sincèrement, le roi de Portugal. Ok, très bien. Est-ce que vous voulez aller à l'est? Oui. Ok, suivez-moi. Génial. Faut suivre Norwood. Il est où le Magno? Ah, il est là. Attendez ici pour une petite seconde. Oh le malade. C'est un passage secret qui vous mènera dans les terres de l'Est. Ok, génial. Et il n'y avait pas un petit truc ici, là? Moi, je pensais que c'était là qu'il aurait cassé le truc. Ça pue la grotte avec des monstres, en fait. Ah, ok, donc c'est bien par là, mais ouais. Ok, j'avais mal observé. Bon, eh ben en fait, il n'y avait pas de monstres ici, J'aurais pensé qu'ils en auraient foutu. Enfin, un restore. Ah! Enfin, Roto qui passe au niveau 15. Putain, il a une barre d'XP, lui, mais qui est nul. Nul à chier, franchement. C'est le héros et c'est lui qui augmente le moins vite, quoi. Bon, je sais qu'il est pété de base, mais bon, quand même, quoi. Ah, un sanctuaire, les amis. C'est pas exactement ce que je cherchais, je vous avoue. Alors, qu'est-ce... Bon, ça doit être juste l'ambiance. Je cherche pas. Ah, c'est une auberge. Alors, attendez, parce que j'aime pas trop les auberges qui ont l'air d'auberges, mais qu'en fait, n'en sont pas, tu sais, genre Dragon Quest 4, pour ceux qui savent. Le village des renards, hein, voilà. Ouais, parce que je me suis remis à Dragon Quest 3 aussi, et Dragon Quest 4 aussi cette année, je me rappelle. Village des renards. Qui te pique ton fric? Et ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Mais bon, là, ça va. Ok, donc c'était vraiment une auberge, à côté d'un téléporteur. En fait, tout est mis à ta disposition pour que tu réussisses. Les forces du mal dominent le monde, mais elles laissent quand même tout ce qui peut te permettre de réussir à le sauver, hein. Bon. Alors, du coup, ceci étant fait. Je m'étirais, c'est pour ça. Bon, on a traversé tout le continent, mais dans le mauvais sens. Mais d'un autre côté, c'est pas trop grave, on va dire. Bon, on a toujours Hermione qui est morte. Et en soi, si je me téléporte à Noaniels maintenant, ça me prendra moins de temps de revenir. Bon, je sais pas, on va voir. Vous savez quoi? On va descendre. Alors, il lui reste combien, ce cher Bénédicte, là? Parce que, mine de rien. Il lui reste 90, mais qu'est-ce qu'on chipote? Il lui reste 90, donc on va tout utiliser. Hein, voilà. J'ai du mal à la dire, cette phrase. Oui, mesdames et messieurs. Bien. Alors, ceci étant fait, où est-ce qu'on est en fait? Ça, c'est la grande question. On est à peu. Alors, on est soit au niveau de l'Arabie, vu que c'est un désert. On est soit au niveau de l'Arabie. C'est un peu étonnant quand même, parce que mine de rien, l'Arabie, c'est plus juste au-dessus de la plume, là où c'est un peu vert. Mais soit on est au niveau de l'Arabie, soit on est au niveau de l'Inde, mais ça me paraît chelou aussi. Bon. C'est chelou, quoi qu'il arrive. C'est chelou. Bon. Bon, quoi qu'il arrive, c'est pas ici qu'on trouvera une ville, peut-être dans le sud là. Mais en tout cas, derrière le désert, il n'y a que dalle. Ça en note. Peut-être une grotte. Bah, et on va aller quand même vérifier, vous savez quoi? Parce que j'ai pas envie de louper un truc. Puis on est là pour explorer, hein. Je vous rappelle que c'est un RPG, si on tombe KO, bah on tombe KO. Mais là, on a peu de risques quand même. Bénédicte a quand même pas mal de. Ah, de quoi nous soigner encore 4 fois, 4 fois toute l'équipe, 4 ou 5 fois toute l'équipe, 5 fois même, puisqu'on a utilisé 15 PM du coup. Mais il a de quoi soigner, ouais, 5 fois toute l'équipe. Donc j'ai envie de vous dire. Ok, donc il y avait bien rien. On va rester sur les plaines, normalement c'est ce qu'il y a de moins dangereux. La preuve. On tombe sur deux zombies. Ils font mal ces cons, ils font très mal ces cons en fait. Ok, l'autre il était en train de se défendre. Ok, génial. Bon, le mec a passé son temps à se protéger. Alors, voyons voir. On avance vers le sud de l'Inde. Ouais, on va dire que c'est l'Inde. Hein, vous savez que. Oui! Oui! Village! Enfin! Enfin, les amis, un village. On va pouvoir aller à l'auberge, première chose.
Alors, du poivre noir, je pense que le shop juste à côté en vend, by the way. Oh. Alors, on va voir ce que tu vends. La Morning Star. Giant Shears. Bon, ça coûte cher. Ça coûte cher, on est d'accord. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon les armes ici! Une armure d'acier. Alors, l'armure d'acier change pas mal. Enfin, change un peu. Bouclier magique, ça change un peu aussi. Oh putain, il va falloir que j'aille chercher beaucoup d'argent. Le bouclier magique, en plus Hermione peut le porter. Regardez combien ça lui augmente. Ah non, je suis obligé de l'acheter. Et le Blackwood, on s'en fout. Ok, première chose qu'on va faire, on achète. Alors pour Roto et pour Sauron, ça change pas grand-chose. Mais surtout pour Bénédicte et pour Hermione, on va en acheter deux. Alors pour Hermione. Hop. Et puis on ira rechercher de l'argent, vous inquiétez pas, je vais farmer en off. Mais cette ville va devenir ma ville préférée, je le sens. Ouais, ok, parfait. Alors du coup, j'ai rien d'autre à acheter, du coup, on va vendre des trucs après, vous inquiétez pas, on n'est pas pressé. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a une église, génial. Alors on va aller ressusciter Hermione. Hop. Hermione. Hop. Comme ça, il nous reste. Enfin, il nous reste 1900 quand même. Mine de rien, on a réussi à récolter un peu plus de 1000 dans ce début d'épisode. Ce début, je sais pas début, mais dans cet épisode en tout cas. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, bah les amis, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien dans cet épisode. J'ai envie de vous dire que je ne sais toujours pas dans quelle ville on est. Donc, on va le regarder tout de suite. Bienvenue dans la ville de Baharata. Ok, donc c'est bon, on est en Inde, il n'y a pas à chercher plus loin. On est en Inde. Baharata, c'est bon, enfin, faut pas me prendre pour un con non plus. Alors, attendez, 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 parce que on est la nuit, c'est rare d'être la nuit dans un village. Je veux quand même tout explorer. Parce qu'après, on arrivera sur la phase de jour. Alors, la mini-médaille, parce que quand on se téléporte, il fait jour automatiquement. Ok, on va trouver une mini médaille. Au plus profond des montagnes du sud se trouve le shrine de Dharma. Où vous pouvez changer de profession. Ah, ça devient intéressant. Je veux devenir un voleur. Non, attendez. Je préférerais devenir un sage. Le sage qui est la plus puissante. C'est plus puissant qu'un mage. Mais après, il faudra recommencer du niveau 1. Mais je pense qu'on va rester avec les capacités classiques comme ça. C'était comme l'abbaye des vocations dans Dragon Quest 9 pour ceux qui ont suivi mon let's play. Ok, donc on n'a rien trouvé de spécial dans le pot. Et à tous les coups, voilà. On trouve un Pachisi ticket. Encore, génial. Alors, j'ai entendu dire que les kidnappeurs habitent dans une cave pas loin. Ok, très. Les kidnappeurs. Oh, me dites pas qu'on va encore se retaper Kazav. Enfin, c'est Kazav. Non, c'est pas Kazav, c'est Kandar, un truc comme ça. L'Archfiend doit être stoppé. Donc, Baramos, hein. Il ne veut que la mort et les ténèbres. S'il n'est pas stoppé, tout le monde vivra dans une peur constante. Ok, c'était le moment histoire, j'imagine, du coup. L'homme qui vend du poivre ne fait plus d'affaires parce que sa fille a été kidnappée. Évidemment, ce serait trop simple. Ce serait beaucoup trop simple. Bon, en tout cas, on est dans la bonne ville, hein. Ok, donc les habits du voyageur, donc à peu près inutiles à ce stade du jeu. Ok. Bon, allez, faut bien prendre la quête. Bye. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Alors, je peux pas acheter ça, t'es gentil. Bah, rien de spé. Take care then. Mais attends, c'était pas lui qui vendait nu. J'ai pas compris là. Du coup, j'ai pas compris du tout. Faut qu'on aille la sauver direct en fait. Faut même pas qu'il nous demande ou quoi. C'est. J'ai pas bien compris là. Là, je comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, attendez, il reste. Nous avons voyagé une grande distance pour ça. La rivière du Gange. Ok, donc si on n'est pas en Inde là, à ce moment-là, faut qu'on m'explique. Donc la rivière du Gange.
n'est pas seulement utilisée comme une eau à boire, elle est aussi une source de pouvoir mystique. Ok, d'accord. Nous nous sommes baignés dans la rivière sacrée. J'espère que je serai béni. Et j'espère que mon bébé à venir sera béni. Ok, d'accord. Écoutez, ma petite fille, Tania, a juste été kidnappée. Vient juste d'être kidnappée. Cet homme, Gupta, et son amoureux. Je voulais les marier. Mais et donc je pouvais leur donner mon magasin, mais maintenant vous semblez plutôt fort. Est-ce que vous pouvez sauver ma petite fille? Mais bien sûr. Non, attendez. Je ne peux pas demander ça à des étrangers. Je dois aller sauver Tania moi-même. Ok, après tu vas vivre mal, etc. Gupta, attends! Bon, très bien. Il est parti où le con? Ce qui est déjà sorti du village. À tous les coups, il est déjà sorti du village. Forcément, il est déjà sorti. Je suis con, on m'a demandé ça. Bon, on va aller à l'auberge. Parce que mine de rien, il commence à faire dodo. Et on va regarder le temps de la vidéo. Parce que mine de rien, il doit commencer à faire long niveau vidéo. Oui, on est à 33 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on va aller sauver Tania une prochaine fois. On peut le dire, on peut le dire. Je vais tourner l'épisode à la suite de toute façon, donc voilà, j'ai envie de vous dire, ça ne change rien pour moi, ouais, là j'enchaîne les épisodes, je suis de retour chez moi, donc voilà, j'ai fini les cours. Je suis plus en internat, comme je vous avais dit, voilà, c'est la fin des cours, enfin! Et ça m'a paru court d'ailleurs, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, ça m'a paru assez court finalement, cette période de non-vidéo en gros sur la chaîne, alors que les cours m'ont paru très longs. Mine de rien, ça me paraît très loin le début d'année, mais ça c'est comme d'habitude. Bref, les amis! Trêve de blabla, on n'est pas là pour parler de ma vie, je vous en parlerai la prochaine fois, peut-être. Quoi qu'il arrive, chers amis, on va se retrouver la prochaine fois pour aller sauver cette chère Tania des griffes des kidnappeurs. Ça doit être encore ce connard de Kandar. Donc on leur foutra sa rousse, hein, y a pas à dire. Et puis en attendant, portez-vous bien, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.